C'est bientôt Noël et tu sais toujours pas quoi lui offrir? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec ma période préférée de l'année. Bon les gars, de base je voulais faire un putain d'effort sur la déco, remplacer ça par un sapin, mettre un bonhomme de neige, mettre plein de trucs verts, etc. Pour bien se mettre dans l'ambiance et le thème de la vidéo, tu vois. Mais confinement, t'as capté? Du coup là j'ai juste mis un truc rouge, un truc vert d'ailleurs, on dirait même pas c'est vert. Bref, la boss est de retour, on va vous balancer les tutos. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise pour vous. Et bref, on commence maintenant parce qu'on a pas le temps et on est dans la merde pour les cadeaux. Étape 0. Oui, 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 qu'est-ce qu'il y a? La base, l'origine, le fondement, le pilier. Avoir de l'argent. Bah oui. Pour acheter un cadeau, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut économiser. Pour économiser, Igral. Du coup, avant de vous faire part de mes tutos de boss de qualité, je voulais vous présenter Igral. Ça rentre parfaitement dans le thème de la vidéo, donc écoutez bien jusqu'au bout. Du coup, Igral, qu'est-ce que c'est? C'est un site, une application et une extension de cashback que tu peux installer gratuitement. Ça veut dire que dès que tu veux acheter un truc sur internet, bah tu passes par Igral et là tu vas te faire rembourser une partie de ce que t'achètes. Donc t'économises. T'as plus de 1700 marchands sur le site. Asos, Calvin Klein, Tommy, Nike, c'est discount. Comment ça marche? Tu tapes dans la barre de recherche Igral, tu vas sur le site et tu t'inscris. Par exemple, là je télécharge l'extension. Et dès que je tape mon site, et juste à côté, t'as la petite icône Igral pour montrer que sur ce site-là, bah, tu pourras récupérer ton cashback. Mais bien sûr, faudra activer le cashback sur le site, hein, comme là, j'ai fait, tu vois. Par exemple, là, j'ai pris H&M. Ils offrent 10% de cashback cumulable aux réductions qu'il y a déjà sur le site. Et du coup, à chaque achat en ligne, tu vas cumuler des gains cashback dans ta cagnotte Igral. Et à partir de 20€, tu pourras demander un virement bancaire, un virement PayPal ou un chèque cadeau. Un des trois. Et ouais, trop bien. Et sachez que même s'il y a déjà des soldes sur le site, bah, le cashback d'Igral, il va s'additionner à tout ça. Donc, ça va te permettre d'économiser encore plus d'argent. Plusieurs différents marchands. Par exemple, chez Samsung, t'as jusqu'à 10%. Sarenza, 10% le 4 décembre aussi. Et il y a plein d'autres offres cashback à deux chiffres qui seront dispo tout le mois de décembre. Du coup, là, vous allez économiser de ouf. Et là, tu vas me dire... Je suis remboursé, comment ça se fait? Bah, en gros, Igral touche une commission des marchands qui est redistribuée aux membres. Cashback. Et grâce au lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous avez 10€ de cadeau de bienvenue au lieu de 3€. Du coup, là, vous avez direct 10€ sur votre compte. Voilà, maintenant go économiser, vous avez tout en barre d'infos avec le lien en description. Et on passe tout de suite à la suite des tutos de boss. Analyser la cible. Ta pote, ton mec, ta soeur, ton cousin, ton frère, ton chien. Et quand je parle de analyser, je parle de trois choses à prendre en compte. Bon, on va prendre exemple sur... sur moi. Ce qu'elle fait tout le temps. Anime, manger, dormir. Ce qu'elle fait quand elle s'ennuie. Anime, manger, dormir. Sa passion. Anime, manger, dormir. Bon, vas-y, c'était facile aussi. Mais tu vois le bail. Et à partir de ces trois critères, bah tu rentres en profondeur, tu développes, tu regardes tous les détails qui concernent ça. Du coup, là, t'as forcément une idée de quoi lui offrir. Et si c'est pas le cas, bah t'inquiète, parce que... C'est que le début de la vidéo. Deux. Son objectif, son but, de quoi elle a besoin. Croyez-moi, il n'y a pas mieux que d'aider quelqu'un à atteindre son but, son rêve, ce pourquoi il ou elle se lève tous les matins, prend son petit-déj, va se brosser les dents. Son objectif de vie. Et là, tu vas me dire, ouais, je vous ouvre, c'est quoi le rapport entre offrir un cadeau et objectif de vie? Non mais c'est bon, je vous connais maintenant, en ce moment, je deviens grave active sur YouTube, tout ça. On va parler avec des exemples. Imagine, son objectif là, c'est maigrir. Livre de recettes cuisine healthy, accessoires, vêtements de sport de qualité. Comme ça, ça va la motiver encore plus. Streamer. Casque de qualité. Chaise gaming. Manette personnalisée. Ruban LED pour le setup. Apprendre à se maquiller. C'est pas à moi qu'il faut demander. Devenir riche. Bah, chez Animal Crossing. 3. Cadeaux utiles. Les gars, ça c'est une règle d'or. Et ça vaut pour tout. Qualité, quantité, un seul et gros cadeau vaut mieux que plusieurs petits cadeaux. Donc si tu veux être sûr de faire plaisir à cette personne, faut vraiment miser sur les cadeaux utiles. Exemple encore une fois, sur quelqu'un que vous connaissez bien maintenant, tout ça, je vous présente plus. Mon frère. Salut, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans, je suis célibataire, je suis libre comme l'air. Comme mon Izuka, j'ai perdu mes écouteurs et ça fait 3 mois que je marche dans la rue et sans penser à rien. C'est alors que mes deux sœurs ont décidé de m'offrir pour Noël des AirPods Pro. Tu ne demandes rien ou quoi là? Simple, facile, utile, efficace. C'est validé, suivant! On change pas les bonnes habitudes. 5. Avoir un complice. Bon, ça c'est pas obligatoire, mais si t'en as un, ça facilite la chose de ouf. Comme ça, si de base t'es quelqu'un comme moi qui sait pas mentir et que t'es en train de parler avec la personne et que tu fais des putains de recherches sur ton cadeau, mais que la personne elle t'a cramé, bah là tu prends aucun risque. Ah si, y a un risque. Choisis bien la personne. Faut que cette complice elle soit soit dans la famille de l'autre, soit un pote en qui t'as confiance, qui joue bien la comédie, qui se fera pas cramer.
pour t'aider. Eh hey gros, j'ai pas ton temps. Tu veux quoi pour Noël? Next. Bon les gars, à partir de là, on va passer aux choses sérieuses et rentrer dans le cœur du sujet. On va faire cas par cas, étape par étape, step by step. C'est-à-dire, les gars de trou. Les gars, ça c'est une valeur sûre. En plus, ça arrange tout le monde. Imagine. Samedi, il y a la nif de votre pote. Et vous êtes vous êtes là, vous êtes plusieurs à galérer à chercher un cadeau. Bah faites un cadeau groupé, un seul et gros cadeau. Tu cotises avec d'autres gens et c'est positif pour tout le monde. Et tu sais pourquoi? Vu que vous êtes plusieurs à mettre de l'argent en commun. Bah à la fin, ça fera une putain de grosse somme. Et avec cette putain de grosse somme, bah vous pourrez acheter un putain de cadeau. Mais parmi ce groupe, je suis désolée, faut que parmi tous ces gens, il y ait au moins un complice qui aille demander la personne en question, son anniversaire en question, quoi lui offrir, et être sûr d'avoir le cadeau que tu voulais, tu vois ou pas. Traduction. Faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien la personne. Mais en vrai, ça marche surtout si c'est l'anniv d'un seul pote. Mais là, pour Noël, vu que tout le monde doit acheter un cadeau à tout le monde, etc., c'est plus compliqué. Encore une fois, vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin de cette vidéo. Bon, à tous les célibs qui regardent ma vidéo et qui ont le seum d'être célibes, bah restez quand même, juste après c'est pour vous. Du coup, pour les couples, si t'es en couple, faut que ça soit un truc mignon, entre vous. Faut pas lui offrir un truc basique en mode objet de décoration, etc. Trouve un putain cadeau où il y a que toi qui peux lui offrir ça. Genre un cadeau où t'as mis des efforts à le faire. Bon, pour un massage. Des efforts à le préparer. Chambre d'hôtel, spa. Des efforts à l'organiser. Je vais lui faire des lettres. À ouvrir quand tu penses à moi. À ouvrir si tu te sens pas bien. À ouvrir si tu déprimes parce que je te manque trop. À ouvrir si tu veux un bisou. À ouvrir si tu m'as trompé, enculé. À tous les cyniques qui regardent ma vidéo, voici une avant-première de Pécho Like a Boss. Bye, couzou couzou. Tout est dans le regard, la posture, la volonté, la démarche. La démarche, j'ai dit. La sincérité. Naruto a fini au cahier, mais toi. Tu vas finir avec moi, ok? C'est bon, après ça, t'es en couple. Vite, cadeau pour la famille. Les gars, je pouvais pas faire cette vidéo sans vous raconter comment ça se passe dans ma famille pendant les périodes de Noël pour les cadeaux. C'est un truc de ouf. Cible numéro 1, ma mère. Bah, maman chinoise, tu connais, hein. On peut y aller, ouais. Oh, tiens, c'est un machine fou. Mon père. Bah, lui, c'est un truc de ouf. À chaque fois, on lui achète un putain de cadeau. Bah, il s'en fout, il le met jamais. Avec ma soeur, en 2016, on avait acheté un putain de cadeau pour lui. C'était un pyjama, mais ça restait un putain de cadeau parce qu'on s'est cassé la tête à chercher, tu vois. Et bah, résultat, le pyjama, il est toujours dans l'emballage. Et vu qu'il s'est déménagé, bah. Il a disparu le cadeau. Ma soeur. Oh my god. Gros story time. Je sais pas si c'est moi, j'ai une vision trop shonen de la vie et je vois de la compétitivité partout. Mais avec ma soeur, c'est la guerre. Nous on n'est pas là, on attend pas le 1er décembre pour se dire où est-ce qu'on veut comme cadeau et tout, tu vois. Non. Genre c'est même pas un cadeau, c'est une compète avec elle, genre toute l'année. Je veux ça. Ah ouais, moi je veux ça. Vas-y, toi tu m'achètes ça et tu prends ça en fait. Je veux plus l'autre. Moi non plus en fait. Moi j'ai une voiture. Hein. On est trop exigeante, c'est un truc de ouf. On se donne le même budget, genre un gros budget. Et au final, tellement on se complique, bah on finit par rien s'acheter. Ou on finit par reporter à chaque fois. Enfin, elle finit par reporter à chaque fois. Parce que moi, je suis une meuf, je tiens ses engagements, ses principes et tout, tu vois. Non, mais t'inquiète, c'est bon, l'année prochaine, je te l'offrirai. Et c'est toi, c'est bon. Hein. Du coup, là, message pour ma soeur qui regardera cette vidéo en même temps que vous. Fanny. Coucou Fanny, ça va? J'attends toujours mon cadeau. Et d'après mes notes, calcul les statistiques de ces 3 dernières années où je t'ai offert un cadeau plus cher que tu m'en ai offert un, alors qu'on s'était fixé un budget et que je l'ai respecté et pas toi. Pour ce Noël, j'en suis à 380€ de budget pour mon cadeau. Du coup, je veux bien que tu m'achètes un billet pour aller au Japon. Et pour finir, celui que vous connaissez tous. Mathieu, 27 ans, célibataire, libre comme l'air, a perdu ses écouteurs. Mon frère, lui, j'ai trop peur de lui acheter un cadeau à chaque fois. Et pas que moi, hein, ma soeur aussi. Dites-vous, depuis toute petite, à chaque fois, pendant les périodes de Noël, il nous offre un truc de bâtard avec ma soeur, etc. Un putain de cadeau trop bien, trop cher. Son cadeau, c'était toujours le meilleur. Il nous achète que des bêtes de cadeaux en mode... C'est qui le meilleur enfer? Mais nous de notre côté on sait jamais quoi lui offrir. Mais en tout cas en décembre il y a une vidéo qui sort et vous en saurez plus sur sans vouloir trop spoiler, vous en saurez plus sur tout ça. Parce que waouh, j'ai trop de trucs à dire. Mais bref, pour son cadeau cette année en 2020, bah du coup on lui a acheté les AirPods comme je vous ai dit avant. Et je vais cotiser avec ma soeur. On va aller lui acheter la PS5. C'est trop logique, il est déjà tout le temps sur la PS4, donc pourquoi pas la PS5.
Xbox, wesh. 9 cadeaux de bouffe. Déjà à Noël, t'as le repas de Noël, plus le repas de la veille si tu fais un truc, plus le lendemain si tu le fêtes avec d'autres gens, plus le date Noël avec ton mec si t'en as un, plus ton calendrier de l'avant que t'as bouffé tout le mois de décembre, plus le nouvel an qui arrive, plus le nouvel an chinois qui s'enchaîne avec tous les repas, plus l'anniversaire de Gouzou le 7 février. Et tu veux quand même acheter et offrir de la bouffe, du chocolat, des Ferrero Rocher pour Noël? Bah t'as raison, parce que la bouffe, ça se refuse pas. Pour tout ce qui est niveau cadeau, on va finir sur les cadeaux de valeur sûre ou les cadeaux de dernière minute. Aka, les cadeaux c'était dans la merde. Les cadeaux de dernière minute sont toujours des cadeaux de valeur sûre. Et c'est pourquoi? Parce que t'as regardé cette vidéo. Là, prépare-toi parce que je vais te balancer des putains de tutos de secours. Règle numéro 1, pas de pression. Si t'as la pression, tu vas te dire plus c'est cher et mieux c'est. Non, le prix ça veut rien dire. 2, mentir sans mentir. Si le jour de Noël t'es vraiment face to face à la personne et t'as vraiment rien à lui offrir, voilà ce qu'il faut faire. Et je t'ai commandé un cadeau il y a 2 semaines, mais il est toujours pas arrivé. 5 minutes avant aux toilettes. Moi j'étais un ouf, je pensais pas il allait m'offrir un cadeau moi aussi. Bon, j'achète un truc maintenant, je passe par Igral, hop c'est bon, acheté. Pfiou. C'est bon, là j'ai un cadeau. Bah quoi? C'est vrai, tu viens de commander et le cadeau il est toujours pas arrivé, c'est tout. 3, les cartes cadeaux. Waouh waouh waouh. Les cas c'est miskin un peu comme cadeau, mais c'est tellement efficace. Si tu connais pas la personne, si t'es pas assez proche de cette personne, du coup tu lui achètes une carte cadeau de sa marque préférée. Au moins tu montres que tu connais sa marque préférée. Vite fait. Et pour finir, le meilleur de tous. Bon, les Chinois, on connaît maintenant, on est habitués, on va pas se mentir. Les Hongbao. C'est comme des cartes cadeaux, mais en mieux. Parce que tu sais jamais combien il y en a dedans, mais quand tu ouvres le paquet. Non, je sais que depuis mes 18 ans, on m'en donne plus. Bref, les prochains Hongbao, ce sera au mariage. Dernier tuto. Comment offrir le cadeau? Dans la vie, il faut surprendre. Donc, étape indispensable à faire si t'es une personne proche de ta cible. Troller, toujours avoir 2 cadeaux. Le fake. Wesh, tu joues à quoi? C'est mon cadeau ça? Et le vrai, pour surprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le lien Igral en barre d'infos pour économiser de l'argent. Ah, et aussi, j'ai un cadeau pour vous. C'est une petite vidéo qui sortira. Je sais pas si ça sera une vidéo bonus ou le début d'une série de vidéos. Je pense que les vrais savent de quoi je parle. Je vous propose de mettre un commentaire sous cette vidéo et de deviner ce que c'est. Indice. Ça commence par Joe et ça finit par Joe. Je sais, c'est trop dur, etc. J'en dis pas plus, personne va trouver. J'ai l'impression de me mettre beaucoup de pression en ce moment parce que je sors beaucoup de vidéos par rapport à d'habitude, mais en vrai ça va. Je vais vous parler sincèrement, droit dans les yeux. À toi qui regarde cette vidéo là maintenant tout de suite, assis sur tes shots ou dans ton lit, je le demande jamais en plus, mais là, si vous voulez m'offrir un cadeau. Bah en fait, c'est vous le cadeau. Ah ouais, c'était trop mignon, wesh.